Comme à la bataille de Salamine, capitaine. Je t'ai pris au piège. Voilà ce bon vieux Thémistocle. Et la partie est gagnée. Kamoto, Phoxidas, pourquoi doit-on livrer tous ces trésors? On pourrait aller vivre la belle vie à Lesbos avec tout cet or. Que veux-tu, rat du désert? Si ce coffre ne parvient pas à pomper ce navire non plus. S'il le faut, nous ramperons devant Hadès pour le livrer. Très bien. Au travail, bande de Vlakos. Damastès, mon fidèle porteur de bouclier, active-toi. On nous a engagés pour soudoyer Pompée, pour sauver une reine et gagner un royaume. Rien d'inhabituel pour des mercenaires. Oh oui, ça c'est cool. Allure de rame, allez. Vitesse de combat. Oh là là, j'en ai rêvé de ce moment. Doucement, il y a des récifs. C'est pas grave, on va dessus. J'ai des yeux, je les ai repérés. C'est ton troisième voyage et tu donnes déjà des ordres. J'adore te voir baver dans ta barbe, Phoxidas. Tâchons de ne pas finir dans l'eau. Ce serait une mort indigne pour un héros de ma trempe. Un vrai héros saurait se sauver en nageant. Rassure-toi, je n'aime pas prendre des risques inutiles. Là, tu essaies seulement de m'impressionner. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arme? Parce qu'on va devoir s'en servir. Et voilà l'horizon, là-bas. Ce ne sont pas les couleurs de Rome. Dans quel guépier nous a entraîné cette reine Vérolée? Des navires de Ptolémée, envoyés par l'ordre des anciens. Et que peuvent-ils vouloir à Pompée? Les armées de Pompée offriront le trône à Cléopâtre. Leur objectif est d'empêcher cette alliance. Oui, forcément. Nous devons faire vite. Alors, ouais, je me souviens, ça devrait à peu près fonctionner comme sur Black Flag. L'air est déjà chargé de fumée. Près du volcan, les eaux bouillonneront. Nous devons rester à distance si on ne peut pas voler. C'est le Métana? Cela fait des siècles qu'il est endormi. Ça ne m'étonnerait pas qu'il serait... Tenez-vous prêts! Montrons à ces traîtres qu'ils ont choisi le mauvais pharaon! Couler la flotte de Ptolémée. Alors, on a d'autres trucs, mais je sais plus comment on change. On peut les prôner, non? Plus vite, mes frères! Une pluie de feu! Sortez les boucliers! Shield wall! Point faible. Triple volée de flèche et appuyez sur RT, RT, RT. Oh joli. Ça? Bah indique-les-moi. Ah, merci. Allez, en route. Bon, premier petit test. Ah. Merde. Oh, c'est bien joué, ça. On tient ces malakas. Visez leurs poupes. Elles sont remplies d'huile. Ils brûleront comme de la merde de chameau.
bouclier. Ah oui d'accord, si j'appuie au même moment, on a de la riposte. Allez, bombe incendiaire. Oh superbe. Oui, on a coulé le dernier. Toujours aucune trace de ton maudit Romain. Prends garde à tes paroles, capitaine. Nous avons besoin de pomper. Il est général. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour le couvrir d'insultes. Oui, c'est sûr. Je suis comme je suis. Je me moque de ces flacos de roi et de reine. J'ai quitté ma femme et mes enfants à cause de ça. Je désespère les gens de raison. Moi, tu me conviens. Tu nous conviens. Ah là là, la reconnaissance de ces braves notailles me suffit. Ce n'est jamais facile de dire adieu à ceux qui nous rejettent. Mais c'est la seule voie qui s'offre à nous. Vraiment ? Pompée sera à l'endroit convenu au large de Fira. En route. On a acheté de riposte. Maintenir pour s'abriter et relâcher immédiatement après l'arrivée des projectiles. Ouais, c'est ça. On va sûrement retaper des renforts, je pense. Plus vite ! Non, c'est son bateau. Ça a l'air d'être leur flotte, apparemment. Hein. Ou alors on a un très très gros navire de guerre ennemi. J'aimerais bien me tromper, ce serait pas mal. La dernière fois que je me suis pas planté, je me suis retrouvé la tête dans le sable. Ah, il va se faire attaquer. Doucement. Il y aura sans doute des patrouilles. Tu me donnes l'ordre d'éviter le combat ? Paradès, femme, bien sûr que non. Mais j'ai pas envie de mourir en protégeant un Romain. Surtout un de ceux qui ont de quoi se protéger. Tu sais, toi, tu devrais rejoindre l'équipage de cette trirème. Tu y serais à ta... Bombe incendie apparaît ! Lance-les quand nous sommes tout prêts ! Allez, c'est parti. L'Octarem, punaise, il est magnifique. Merde, j'ai raté, je vais ressortir plus tard. Oh parfait. Hey, prenage. Magnifique les gars, magnifique. Dans la flotte. Abritez-vous. Cadre les postes maintenant. Allez, les bombes incendiaires. Nickel. Ah là, point faible, point faible. Ils attaquent pompés, il faut les arrêter. Ne les lâchez pas, mes vieilles crapules. Mes vieilles crapules. Ils couleront en même temps que nous. Allez, bombe incendiaire. Merde, elles ont foiré. Qu'est-ce qui se passe? On a roulé sur un truc ou quoi? Allez, tire de riposte. Oh non, on va se faire éprôner. Les bombes, les bombes. Ah, trop loin. En avant, on va leur rendre. Ah punaise, à bout portant ça pique hein. Allure de rame. Allez. Allez, les ratez pas. Il en reste un. Très bon travail. On fera peut-être quelque chose de toi après tout. Allez, les bombes incendiaires. Nickel. Ils vont par le fond. Ouh. C'est génial, franchement c'est génial. Je ne me
jamais retrouvé face à l'un de ces généraux romains. Quoi ? Ne me dis pas que tu aimes ces enfants de putain ! La guerre civile ravage l'Égypte et une trirème de mercenaires vient à mon aide. En plein conflit avec César, c'est étrange tout de même. Paradès, qui êtes-vous ? Nous aurions pu te laisser mourir. Pompeius Magnus. Salutations et bienveillance de la reine Cléopâtre. Cléopâtre offre de l'or pour s'assurer mes faveurs une fois que j'aurai Rome. Est-ce là toute la bienveillance de ta reine ? Quel visage vois-tu sur cette pièce ? Les Romaines ont-elles droit à un tel honneur ? Une alliance avec Cléopâtre est une véritable union de pouvoir. Elle ne veut pas d'un simple allié. Elle cherche un roi. Une amitié précieuse, alors. Entendu. Ma flotte fera bientôt voile vers l'Égypte. Ah, nous sommes de retour. Pompée le Grand. Parler au compteur, embuscade en mer. Ah bah la fameuse quête qui est avec le saison pass. C'est une des missions, alors j'imagine que ça va être le bateau. C'est franchement c'est génial quoi, c'est. Quand t'as fait Black Flag. J'aime beaucoup les mécaniques du combat. Des combats navals, c'est très sympa. Bah du coup on a bien avancé, il va falloir qu'on aille s'occuper des autres. Alors là il y a une quête secondaire ici certes, mais j'aimerais bien aller dans la continuité. Donc choisir une nouvelle cible, alors sachant que le scarabée a été gentiment éliminé. Donc on a la hyène, le crocodile et le lézard. Le lézard, alors j'ai envie de voir toutes les zones parce que... Oprime Gizeh avec l'ordre des anciens. On va voir tout de suite au niveau des quêtes. Alors, on a la hyène, le crocodile. Bah, on va continuer vis-à-vis du niveau, en fait, tout simplement. Parce que, au vu de la difficulté, on a bien vu que dès qu'on arrivait sur des mecs aux alentours de notre niveau, ça se complique. Donc déjà, niveau 24, on est bien. Mais niveau 20... Ils seront bien quand même aussi hein. Donc c'est pas plus mal de commencer par le 20, comme ça quand on arrivera sur le 24 on aura le niveau qu'il faut. Donc c'est parfait parce qu'on va arriver pile poil dans la continuité, on descend en fait. Et donc c'est parfait, on en profite pour synchroniser. On a une petite ville à côté, qu'on va arriver à Gizeh de toute façon. Et puis la quête secondaire que je voulais aller choper, donc c'est nickel. Donc c'est parti, en route allez. Les portes de Gizeh, ça y est on est arrivé. Alors. La guerre. Vous allez parler à Mérène, l'homme d'Apollonius. Un négociant qui se trouve quelque part sur ce marché. Bah, c'est surtout qu'il y a un gros point qui l'indique en fait. Ah. Bonjour mon brave. Bienvenue chez Mered, voyageur. Alors, qu'en penses-tu ? Rien. Alors va-t'en. Ah, mais je n'ai pas fini. Que veux-tu dire ? Je n'ai rien d'autre à te montrer. Mais tu as des choses à me dire, au sujet de la hyène. Ah, c'est drôle. Il se trouve que c'est l'article le plus cher de tout mon stock. Oui, très drôle. Et tu devras payer comptant. Sans drachme. Oh bah ça va. Tu as assez d'argent pour qu'on fasse affaire. Tiens, espèce de rapace.
Maintenant, qu'as-tu à me dire ? La hyène, ce n'est pas son vrai nom. Bon, d'accord. Ce n'était pas très drôle, je le reconnais. Où est-ce que je peux la trouver ? Son nom, c'est... Calicette. Tu vas m'aider. Des clients m'ont pris mon cheval à la suite d'un différend. Ils campent dans une carrière au sud d'ici. Prends mes hommes, récupère mon cheval, et je te donnerai ce que tu cherches. Je me demande bien pourquoi Apollodorus t'apprécie. Tu feras ce que je te dis. Mais il l'apprécie pas ? Si Apollodorus veut que je continue de le servir. Le cheval se trouve... Attends. Mais... Vous êtes mon escorte ? Allez les larbins, on y va. Bon, par contre, je prends mon cheval, hein, je vous préviens. Alors, vous vous débrouillez. Oh, vous avez pas de monture ? Bah là, il y en a deux, là. Tu es un ami de Mered ? Pas vraiment. Allez, on y va. C'est un allié nécessaire. Les alliés de Mered sont rarement des protecteurs. Oui, bah, aujourd'hui, je suis un protecteur, voilà. Je me doute bien que le mec doit s'attirer des bandits toutes les 5 minutes. Faire confiance à personne. Oh bah y a pas qu'à aiguiser hein. Non non mais on fuit pas le combat les gars. Ouf. Ça fait bizarre, on a une pyramide juste ici. Bon, on va bien sûrement y aller à un moment je pense. Ce serait con de faire le tour de l'Egypte sans aller voir des pyramides quoi. Nouveau lieu. Le repère, la carrière épuisée. Tac 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 tac, je l'ai. Alors, comme d'habitude, on va essayer de nettoyer rapidement. Enfin, rapidement, non, parce que ça serait. Enfin, c'est un petit peu présomptueux. On va essayer de nettoyer complètement le campement. Allez! C'est nous, trouve-moi ce foutu trésor. Voilà. Il y en a un là. Ça tombe bien d'un côté. Nickel. Wow. Ah, il est interdit de venir ici. Savez-vous sur la hyène ? Celle qu'on nomme Calicette. Nous irons les nourrir, les hyènes. Parlons. Oh, c'est drôle. Allez, ouvrez l'œil. Il faut qu'on retrouve ce cheval. Putain, il engage une bande de comiques ou... Oh, ça c'est bien joué. Bon, faut qu'on chope le capitaine. Voilà, ça c'est fait. Il reste un commandant. Ah, ça c'est regrettable. Il est là. Alors par contre, il est possible que ce soit... un commandant... Il n'y avait pas des trésors ici ? Ah si, il y en a un là. Et le deuxième. Je l'ai paumé, super. Le commandant, il est possible que ce soit un gros balèze comme la dernière fois. Et là, ce serait compliqué. Par contre, les gars, vous avez le droit de m'aider. Hein. Hop. Donc avec les points qui me restaient, j'ai pris deux épées. Enfin, deux dagues. Que je voulais tester et j'en voulais des légendaires quand même pour pouvoir avoir plusieurs types d'armes différentes mais légendaires. Donc on verra ce que ça vaut en combat. C'est assez rapide, j'ai pas vraiment encore testé en vraie situation de combat, donc je ne saurais dire si ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'il fout? Et fais pas le singe, reviens. Voilà. Alors le cheval est ici, mais on va quand même aller doit être le cheval de Mered. S'occuper de me dire que ses clients étaient des brigands. Oh, tu t'en étais pas douté. Enfin bah y est, quand même. C'était gros comme une maison. Ah. Oh là là.
T'es avec qui, toi? Attends-toi à souffrir. Merde. Pardon, j'essaie de reculer. Ok, super. Ah bah super. Voilà, je me fais bloquer par mon allié, génial. Non mais génial. Non mais il se fout de ma gueule, hein, c'est incroyable. Bon, ah oui, il y avait une option aussi que je voulais regarder, parce qu'on a... alors c'est plutôt dans options, options. C'est où ça déjà? Non, c'est pas ça que je cherche du tout. Je cherche les options. Voilà. Donc en fait, il y a eu une grosse mise à jour il y a, quelques temps, enfin pas si longtemps que ça non plus, qui permet de changer, voilà. Alors en fait, ça permet de changer, le jeu rechargera, ah on le fera après, le niveau auto des ennemis, donc ça c'est très simple, comme c'est écrit, il n'y a plus d'ennemis qui sera en dessous de votre niveau, ils seront tous à votre niveau à chaque fois. Alors bon, c'est pas mal, mais en même temps, si on est proche d'un système de RPG, voire MMO, techniquement, les zones bas level sont des zones bas level. Après, pour un peu plus de défis, si à chaque fois, t'es en train de croiser des patrouilles toutes les 5 minutes et tout, et que t'as envie d'avoir un petit peu de challenge, bon, voilà, tu les mets à ton niveau. Je pense que plus haut level, ça peut être intéressant. Pour le moment, on galère bien, ça va être genre difficile. Et il y a une dernière difficulté, alors déjà que, bon, c'est déjà assez tendu, c'est Cauchemar. Voilà. Donc du coup, pour... on va rester en difficile, peut-être j'essaierai un moment. Parce que ça a été rajouté en cours de... Ah oui, du coup il vient me recharger le jeu, c'est encore. Donc ça a été rajouté avec la mise à jour, donc je l'aurais bien tenté en cauchemar, mais bon, on a commencé en difficile, on finira en difficile. Aïe. Oh les gars, vous êtes pas sérieux. Quoi? Mais c'est le boss, ça. C'était lui, non? Il y ressemblait en tout cas. Non, je voulais ramasser la sacoche. Alors déjà, on a un trésor ici. Ah, c'est pas tip top, hein. Ah, il est là. C'était toujours pas lui, le v'là. Mais arrête de fuir, viens ici. Putain, le mec veut même pas nous affronter. Voilà, ça c'est réglé. Et le dernier trésor, il est parti. Ou alors c'est celui qui est au pied du mur. N'importe quoi, à l'entrée tout là-bas. Ça semblerait être ça, hein, parce qu'ici, il n'y a plus rien. On va voir en repartant. Ah, je tenterai bien un petit cauchemar pour voir ce que ça donne après. Ça doit être le cheval de mes raids. Il a omis de me dire que ses clients étaient des brigands. Non, ça, tu l'as déjà dit. Hein. Ah, le mec a quand même la longe avec ses deux petites lames. Ici, il y avait quelque chose en bas, si je me souviens bien. Ou alors j'ai rêvé. Je me souviens avoir vu quelque chose en bas. Oula. Ici. Vas-y, descends, voilà. Allez. Non, on peut pas passer par là. Hein. Je veux bien être tout mince, mais faut pas abuser. Il y avait un trésor. Ouh. Il y avait quelque chose, j'avais spoté quelque chose. Il y avait une entrée cachée. Une espèce de grotte ou je sais pas quoi. Et puis j'avais vu un trésor au pied du truc. Y a rien ici. Ici. Et donc du coup il est à l'entrée de la grotte. Ouais, je pense qu'à mon avis c'est lié. Oh punaise, on va devoir se retaper toute la route pour aller chercher le cheval. Allez, dépêche-toi.
Oui, bah on va rapporter le cheval. Attendez, attendez, on va se dépêcher. On va passer par la petite grotte, tranquille. Voilà, on est toujours considéré comme dans le repère. Alors par contre, il y a peut-être des ennemis. Non, bon, bon, il n'y a pas d'ennemis, ok. Des cobras, encore. Wow. La dernière fois que j'ai tapé sur un truc, il y avait des cobras. Oh, ça c'est bien. Une graphite, nickel. 600 d'XP, une graphite. Un graphite. Il me semble. Ouais. On va pouvoir améliorer pas mal de choses. Ça c'est un bon truc. Après il nous faudra toujours améliorer notre stuff, mais je veux dire quand on aura amélioré tout notre équipement, les gantelets, l'armure, etc. On pourra se permettre de tenir tranquillement l'an. Enfin tranquillement les hauts levels. Pas abusé non plus, mais disons que ça ce sera bien utile pour le haut niveau. Je dois partir. Bah va-t'en, écoute. Voilà, allez. En route inverse, on va lui ramener son cheval, il va être bien content. Et nous, on a nettoyé le campement. Mais il est en train de porter son cadavre, lui. Parce qu'il est tout dégueulasse, son cheval. Allez, en route. C'est bon, peut-être. Aïe, on arrive. Il y a intérêt à avoir des super infos, hein, parce que là... Descendez, oui bah je me doute, je vais pas m'enfuir avec. Alors voilà. Ah regardez-moi ça. Tu avais oublié de dire que c'était des brigands qui l'avaient. Une simple omission. Bien. Plus fort que le mien. Je croyais qu'il t'appartenait. Oui, 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 bien entendu. Tu m'as rendu un fier service, mon ami. À toi de remplir ta part du marché. Je n'ai qu'une parole. Mais j'ai encore une chose à te demander. Ah, j'en ai assez de tes jeux. D'accord. La hyène vit dans une caverne, derrière ses hauteurs. Nuit et jour, elle arpente le désert en quête de silice, les précieuses larmes des dieux. Mieux vaut ne pas raconter ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté de s'interposer. Si je découvre que tu te moques de moi, ce ne sont pas mes paroles qui vont te blesser. Je ne dis que la vérité. Je n'ai aucune raison de te défier. Et tâche de rester en vie. C'est drôle. Quel comique lui, sérieusement. Donc, nous y sommes. Alors, il faut aller synchroniser la pyramide. On a lien précieux juste... Je vais pas m'arrêter faire la quête, d'ailleurs, en route. Bon, c'est pas grave. Oh, un fil à quitter. Le bélier de fer, niveau 25. Bon, ça sent un petit peu trop costaud pour le moment. Bah on va juste aller faire celle derrière et puis bah à mon avis je vais peut-être aller synchroniser celui-là et retrouver faire la quête lien précieux et ensuite on se dirigera direct vers la hyène. S'il n'y a pas d'autre quête, on va y aller quoi, tant pis. Il y avait un truc que je voulais voir et je sais plus. Ah si c'est bon, ils sont validés ce qu'on a fait, voilà c'est ça que je voulais... Ils ont rajouté ça, on voit ce qui est validé. Parce que c'était tout grisé en fait quand c'était fait. Donc c'était un petit peu bizarre. Donc là on a pas mal de... C'était tombeau, hein. Ouais. Ah, les tombeaux dans la pyramide, ça c'est top, ça. Mais ça veut dire qu'il y a des cobras. C'est moins top. Mais bon, c'est sympa aussi. Et du coup, on a une quête à faire avec la bibliothèque, si je me souviens bien. Explorer la rive orientale du Nil. La maison de Serquette et une épée perdue. Et une épée perdue, hein, bon, depuis quand je cherche une épée perdue, non. Bref, du coup il y aura ça, et ensuite on passera sur le lézard à Memphis. Le goût de sa piqûre, on n'a pas de lieu. Non, on n'a pas de lieu. Promesse de Bayek, ok, donc on va se... Bah, je vais partir synchroniser tout le truc. Et puis comme ça on va pouvoir... C'est presque une des plus grosses. Hein. On va pouvoir avoir une meilleure vue de la zone, et peut-être qu'on aura les autres quêtes secondaires qui vont apparaître comme ça. Allez, c'est parti. C'est vraiment stylé. Elles sont même pas finies en plus. Apparemment.
polaires sont détériorées. Est-ce qu'on va pouvoir monter comme ça? Ouais, ça va être chaud quand même. Hein. Allez, allez, allez. Non, je glisse. Là. Ok. Je vois à peu près les marques. Non, allez, allez, Bayek, allez. Ah, oh, t'y étais presque. Bon, là, c'est tout droit, là. Oh, allez, t'abuses, tu pouvais t'agripper, là. Ah, mais tu vas jusqu'où, comme ça? Non. T'es pas sérieux, Bayek, sérieusement. Oh, pff. C'est pas possible. C'est quoi ça? C'est l'entrée cachée? Ensuite on va en diagonale après celui-là. Là faut quand même pas se foirer. Sinon on a tendance à glisser. Tout droit. Allez. Okay, en même temps j'abuse, c'est peut-être pas si facile que ça de grimper une pyramide. Mais bon, quand même. Non mais, abuse pas, le truc est devant toi là par contre. Ça fait bizarre, on a l'impression de pas avancer. Ah, on y est presque. Allez. Qu'est-ce que... Ah, c'est parce que c'était plus de la même couleur. J'étais tout perturbé, je me suis dit c'est quoi ce délire. Waouh. C'est vraiment stylé. C'est super stylé. Demande si celle-là est plus haute que l'autre ou... Ah, glisser. Ah. Oh, ça glisse. Ah ben voilà, on a une nouvelle quête secondaire, on va aller voir ça. Alors j'ai juste d'arriver ici. Donc j'ai vite fait tester ce que ça donnait hop, en cauchemar. Hop. Donc, vous allez voir si je me retrouve en combat. Mais c'est... C'est bien costaud. Concrètement, j'ai pris 2-3 flèches de soldats random quoi. Hein. Ça piquait bien en difficile. Là, ça va être plutôt coton. Franchement. Psst, toi là, c'est un insigne de Mechai. Approche. Quoi, c'est vieille voix? Je suis malade. Fais-moi sortir. Je te montrerai tous les secrets de Gizeh. Je les connais tous. Tu peux me porter? Je ne peux plus marcher. Aide-moi. Porte-moi de passe-moi. Va falloir la jouer discret. Je pense que ce sera une très bonne idée. Et puis après, bah, on verra. Hein. Bon, déjà c'est pratique parce que ça entraîne quand même pour les combats difficiles, même si oui forcément du coup je meurs beaucoup, mais enfin, j'aime pas trop que ce soit facile. Ça c'est, ça dépend, j'ai vraiment pas testé le jeu en facile et en normal, donc je sais pas du tout au niveau de la difficulté ce que ça donne. En difficile c'était déjà bien costaud hein, j'étais mort quelques fois. En cauchemar, je pense que ça va être encore plus punitif. Donc bon, bah, on va voir. Les dieux me sourient. Tu es un vrai. Non, c'est pas les dieux qui te sourient, c'est juste que je. C'est toujours ici. C'est juste que je suis venu te chercher, c'est tout. Oh non. T'aurais pas dû venir ici. Oh.
Ouh. Enfin libre. Tu t'es vite remis. Bon, si on allait piller quelques tombes. C'est un malfaiteur que je viens de libérer. Oh, c'est vrai. Tu es un Medjay. Non. Quel con. Un opportuniste. Je connais les gens de ton espèce. Qu'as-tu déterré cette fois? T'as attiré l'œil de ces bandits. Une bague d'une richesse inouïe. Et comme tu l'as vu, tout le monde veut s'en emparer. Ces bandits m'ont traîné avec eux dans l'espoir de la trouver. Moi, seule sa valeur m'intéresse. Tu crois que ça me plaît d'être un charognard? Oui. Rien, suis-moi jusqu'à mon palais. Tu dois veiller sur moi, pas vrai? Tu as vu à quel point c'est dangereux par ici. C'est à voir. Mon palais. Mon médaille personnel. Quel luxe. Je croyais que vous aviez tous disparu dans les sables. Pas tous. Tu devrais te joindre à nous. Un guerrier de ta valeur vous serait utile. Ah, je crois qu'il allait y aller à pied. Vous tirez de tous les ennuis dans lesquels vous vous jetez. Oui, la vie est dure par ici, tu sais. Les bandits ne nous laissent aucun répit. Oui, bah bien sûr. Alors vends cette bague et cesse de te tourmenter. Je sais, mais... Gizeh regorge de merveilles et de mystères. Il suffit d'ouvrir grand les yeux. Et les récompenses... Oh, les récompenses. Ah ah, voilà mon palais, droit devant. Un palais, en effet. Quel palais, ouais. Nepti. Pourquoi? Hein? Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher? Je suis resté enfermé pendant des jours. Nek, où est la bague? Allons, calme-toi. C'est Rachidi qui l'a. C'est qui, lui? C'est mon frère. Il va nous aider à trouver la bague. Tu es sérieux? Bon, d'accord. Pourquoi pas? J'ai du temps. Ah, la chance est toujours de ton côté. Hein, Oba? Si c'était le cas, j'aurais ma bague. Notre bague? Ouais, ouais. Cette bague vaut des millions de drachmes. Cléopâtre s'offrirait à toi pour la posséder. Mieux vaut aller voir nos autres frères. C'est eux qui ont la bague. Nous sommes entourés de bandits. Je vais m'en occuper.